T'es surpris. Thank you.
il a décidé d'écrire El Canto General, le chant général, Obras de Machu Picchu, qui commence donc après un moment de déprime, disons, par ce mot entonces, alors. Voilà, alors. Entonces, por la tierra escalar, he subido. En la atroz maraña de las selvas perdidas. Hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares. Por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti como dos líneas paralelas, la cuna del hombre y del relámpago se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena. En ti, parce que tu, ropaje, les habits, piel, la peau, vasijas, les vasques, palabras, les mots, le vin, vino, panes, le pain, se fue, est parti, cayó a la tierra et tombé à la terre. Y el aire entró con dedos de azahar sobre todos los dormidos. Alors, vous voyez, tout ça fait allusion, bien sûr, à la conquête espagnole et à la fin de cette civilisation qui est tombée brusquement, brutalement. Lui se sent partie prenante de cette histoire-là. Il en souffre au moment où il en parle. Le vers est beaucoup plus court et tout se précipite. Avec ce verbe cayó qui veut dire tomber en espagnol, cayó a la tierra, tout est tombé dans la terre. C'est un peu l'impression que nous avons.